peuple de La Réunion, l'heure est grave. Notre Premier ministre place l'île dans l'océan Pacifique, la preuve encore que la géographie n'est pas la matière préférée des Français. Vous l'avez sans doute remarqué, mais j'utilise le plus souvent le terme hexagone à la place de métropole. Et tu trouvais ça tellement intéressant que tu t'es dit que t'allais en faire une vidéo. Oui. Les thèmes abordés par cette chaîne sont de plus en plus merdiques. Métropole est le terme couramment utilisé pour désigner la France historique, le berceau de notre pays d'où sont sortis de nombreux bateaux pour conquérir des terres. Ce terme est là pour rappeler la position supérieure de la France par rapport à ses conquêtes. Mais voilà, il est fini le temps béni des colonies et les confettis de l'empire colonial que nous sommes font partie intégrante de la République française. Enfin, à quelques arrangements près. Nous livrons tous nos produits dans toute la France et même l'outre-mer. Enfin non, le jeu vidéo, là, tu le livres par La Réunion. Ah non, il y a l'octroi de mer dessus, on n'a pas le droit de faire ça. Au fil des décennies et à mesure que les échanges entre Paris et Saint-Denis se sont intensifiés, le terme métropole est devenu, comment dire, connoté négativement car utilisé dans des comparaisons souvent foireuses. Il n'y a pas un seul pâtissier sur cette île qui est capable de faire un macaron digne de la métropole. Notez l'accent mis sur le deuxième O de métropole. Métropole. Depuis que je suis rentré à La Réunion, je t'avoue que je déprime le peu de choix de confiture bio qu'on a en supermarché par rapport à la métropole. Eh ben, c'est la figure, il est normal qu'on trouve pas le même produit que là-bas. Nous les Unis en plein milieu de l'océan Indien. Tout comme ça nous l'a besoin, il faut nous importer. Il revient cher. Et en plus, il faut qu'il corresponde aux normes françaises. On peut pas comparer, ça n'est pas comparable. Depuis quand on a ce genre de répartie ou... Depuis que Marchette livre là. Découvrez dès à présent la situation socio-économique de La Réunion pour les nuls chez votre libraire. D'accord, ce n'est pas en utilisant un autre terme qu'on va enrayer les différences sociales et économiques entre les territoires. Mais derrière chaque mot, il y a une histoire, un non-dit, et là on parle quand même d'un sous-entendu de supériorité. Mais à moins d'être cette conne d'Anastasia Steele dans 50 nuances degrés, personne n'apprécie la soumission. Oh, monsieur Métropole, dis-moi ce que je dois faire. Je suis qu'une petite souillon, une terre vierge inculte qui n'attend que ta civilisation. À ce sujet, quand on entend ou qu'on dit métropole, le plus souvent, on a l'image de grandes agglomérations dans la tête, alors que 70% du territoire ressemble plutôt à ça. Non mais sans rire, ça joue des colonialistes civilisés, ça s'offusque qu'il n'y ait pas d'Apple Store à Saint-Denis alors que ça vient d'une petite bourgade au fin fond de la Lorraine qui a découvert ce que c'était qu'Internet il y a 7 ans. Et le Bad Moon qui dit France, qu'on s'en fait avec. Ceux-là, ils sont irrécupérables. Je leur dirais quand même de se méfier parce que d'autres réunionnais tout aussi pointilleux n'apprécient pas du tout cet abus de langage. Il y a plein de guillemets dans cette vidéo. Alors, ça fait combien de temps que tu vis en France? Depuis que millénaire. Non mais avant, t'étais à La Réunion, je veux dire, c'est pas pareil. La Réunion, elle fait partie de la France, passe la mouka. Par contre, si c'est mémé ou pépé qui utilise France ou métropole, je ne peux pas leur en vouloir. C'est plutôt la peur Genji, hein, avec Bana. Il est clair que pour beaucoup d'entre nous, il n'est pas facile de changer d'habitude en un claquement de doigts. Et si je dis France continentale? La Guyane française est sur un continent. Territoire européen de la France? Tu imagines vraiment dire ça à chaque fois? Ok, va pour Hexagone. C'est un choix certes par défaut, mais ce terme ne sous-entend pas de sentiment de supériorité, il est simple à retenir, imagé, et en plus il est dépourvu de sous-entendu. Enfin si, il y a un sous-entendu. Quand je dis Hexagone, j'exclus par là même la Corse qui n'entre pas dans la forme géométrique. C'est quoi ton problème avec les Corses? Y a un black décapité sur leur drapeau. T'as une obsession pour le politiquement correct. Le seul problème avec hexagone, c'est l'adjectif. Tu dis quoi? Hexagono? Ha! T'es obligé de dire métropolitain, en fait. Une des raisons pour lesquelles le changement n'est pas pour maintenant. Mais c'est le problème inverse qui me pose problème. J'ai dit deux fois problème. C'est quand les métropolitains cherchaient un terme générique pour qualifier l'ensemble des habitants de l'outre-mer. Vous, les gens des îles, les domiens... Les domiens, les gars. Dites-moi quel terme est plus moche que domien. En plus, qui sait qui dit encore dom-tom? On n'est plus dans les années 90. Heureusement, un mot est venu enrayer tout ça, le terme ultramarin. Ultramarin? Non mais genre, sans déconner, c'est un mot qui existe, ça? Vous aurez remarqué que ce terme est de plus en plus utilisé, comme quoi il suffit d'un peu de volonté pour que des mots anachroniques comme métropole disparaissent lentement de notre langage. Déjà que ton île porte un nom complètement ridicule, je veux dire, quand tu rentres chez toi, tu dis je vais en réunion, je vais rencontrer des gens dans un meeting et boire du café? Je déteste tellement cette blague que je pourrais enfoncer un dictionnaire dans la gorge de celui qui l'utilise. La chaîne YouTube a atteint les 10 000 abonnés, c'est juste énorme, je vous remercie vraiment pour votre soutien. Je n'ai pas fait de vidéo spéciale par rapport à ça, puisque je savais pas trop quoi faire. La prochaine fois, promis, j'essaierai d'aborder un thème un peu plus festif, mais ça ne doit pas vous empêcher de partager cette vidéo et de débattre dans les commentaires du terme à utiliser pour désigner l'hexagone. Merci encore de votre soutien et on se retrouve très bientôt.